Salut à tous, c'est Roy72 et Roy70 pour une nouvelle review donc de Super Smash Bros. Melee, donc Super Smash Bros. Melee. Alors nous allons commencer par un petit mode classique si vous voulez bien. Voilà, avec Roy bien sûr, hein, de la série Fire Emblem. Et il est contre Mario, c'est le stage 1. Bon, ça c'est assez facile. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah, je me suis... Et voilà, il a gagné. Il a gagné, c'est magnifique, bravo. Alors, il est contre qui maintenant? Donkey Kong et Fox, et ben quelle équipe? Et il est avec Galon Dwarf. Ça c'est de la balle. Excusez-moi, avec Capitaine Falco. Non, parce que en fait on dirait un peu. Ouais, c'est confondu. Ah, attention, il y a un parapluie. Oh là 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 là, et voilà, c'est magnifique. Voilà, et maintenant, nous ferons... On passe normalement à un stage de cible. Et il faut détruire les cibles, ce qui n'est pas trop évident, mais ça peut aller quand même, les gars. Ouais, et même moi, j'en ai du mal et que je suis un gros geek. Et ouais... J'arrive même pas à voir celui-là, moi. Roy70 est un geek, mais alors vraiment... Alors, et détruire les cibles, allez, 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 les mecs. Oh là là, ça c'est pas bien ça. Et il m'a manqué qu'une seule cible. Mais c'est pas grave, j'arrive jamais à la voir. De toute façon, si il compte, c'est faire en mode classique. Oh, contre Luigi, oh là 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 là. Oh, assez facile. Alors, je mets là-haut. Vous voyez ce décor, c'était un des vieux jeux de Mario. Voilà, c'était un des vieux jeux dans les années 70. Et il va se faire battre directos. Oh, il essaie de se rendre invisible avec le compagnon. Et il a touché la caméra. Oh là là, une belle caméra à 70€ là, les gars. Et le stage 5 contre Docteur Mario. Attention, s'il vient chez vous, il va vous soigner de A à Z. Il était très facile. Très, très, très. Quand c'est le joueur numéro 1 qui l'utilise, il est destructeur. Alors, attrapez les trophées. Les trophées. Ça, j'en ai bien besoin. Oh, une pièce Mario. En trophée. Jamais vu. Oh non, j'en ai raté un. Ouh, j'ai réussi à l'avoir, le deuxième. Ah. Ah, Link. Et deux manières d'épée se combattent. Et sûrement que après il y aura Zelda qui va dire « Non, Link, ne meurs pas !» Très marrant. Non, pour ça, il faudrait que ça soit des matchs en équipe. Mais et là, alors là, c'est dans la plaine, enfin plutôt dans le château d'Hyrule. Et c'est battu en 17 secondes? Bah non, 16 secondes et quelques centièmes. J'ai un boss. Contre l'équipe Falco, mesdames et messieurs, il y a plus de 300 Falco. Non, je rigole. Beaucoup moins. Il veut dire ça parce que ça veut dire qu'il y en a pas mal, c'est tout. Et ça, c'est battre très facilement. Et voilà. Et voilà, il s'est battu, bravo. Très facile. Bon, et pour le moment, c'est un stage porte, mais moi, j'y vais tout le temps la première. Comme ça, c'est fait, on passe à l'avant-dernier combat et au boss.
Oh non, les Heat Climbers en métal. Ça sera facile. C'est juste des gars en métal qui sont deux. Et voilà, c'est déjà fait. Pourtant, ils étaient bien en métal. Et regardez, j'ai juste un moins 500. Oh là 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 là. J'ai deux mains gauches. Non mais. Mais c'est pas grave. Façon, on a une main droite et une main gauche, hein, les mecs, là, les producteurs là. Ouais. Mais là, c'est entre la main. Donc, j'aimerais pas le faire en mode expert parce qu'il y en a une normale et une folle. Et ce que je dis, c'est la vérité. Le mode expert, mesdames et messieurs, c'est un mode mais destructeur. Oh là là, je viens de me prendre une bof. Alors là, celui-là, il va se faire démonter. Bonjour. Au revoir. Ouais. Oh là là. Oh là 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 là, il a failli tomber. Ouais, mais moi, je suis pas comme ça. J'adore. Le mec, il met deux doigts l'un côté de l'autre. Le gars, il sort des missiles énormes. Regardez. Non mais on est où là les gars? La folle, elle sort des poissons de sa main. Des sauces de poissons. Donc c'est pire. Le décor a changé derrière. C'est très informatique. Tiens, en parlant d'informatique, et mode esquive. Et le coup final. Oh, et la main n'a plus de doigts, ouais, si on peut dire ça. Avec 159 de dégâts. Il m'en fallait 200, comme ça j'aurais gagné 2000 points en plus. Bon, et c'est déjà la fin de ce match. Et mode classique. Et nous nous reverrons dans une prochaine review que je ferai justement pour encore Smash Bros. Mais avant, nous allons juste faire le tir au missile. Le tir au missile, est-ce que vous le connaissez? Et écoutez bien la musique. En fait, ils tirent sur les producteurs. Hein. Bah, sur les noms. Mais au bout d'un moment, quand je fais un certain nombre de coups, en les touchant, je gagne un personnage. Mais c'est déjà fait. Normalement, c'est Rondoudou. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est assez fort dans son attaque roulade. Vous le mettez à fond, et c'est tout, il dégomme tout le monde. Même, il y a une pièce devant lui, il la fera exploser en moins de deux. Bon, oh je là prépare là parce qu'il y a des noms cachés qui passent juste en dessous. Là, alors regardez bien, il y a des noms cachés qui vont passer. En dessous de l'écran. Vous avez vu? Ils sont cachés parce que j'en suis sûr qu'il y a carrément personne qui les a touchés. Super Smash Bros Melee, merci à tous d'avoir regardé. Et cette vidéo. On verra ça bientôt pour une prochaine review.